Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment choisir entre A sans accent ou A avec accent. Tout d'abord, comme A sans accent, c'est le verbe avoir, on va pouvoir le mettre à l'imparfait pour le reconnaître. Cela va donner avait. A avec accent, lui, c'est une préposition. On ne peut donc pas le remplacer par avait, puisque ce n'est pas le verbe avoir. Prenons un exemple maintenant. Il a réussi son gâteau. On va essayer de le remplacer par avait. Cela va donner « Il avait réussi son gâteau ». Ça fonctionne. On écrira donc « A » sans accent. Maintenant, prenons un autre exemple. Il mange un gâteau à la fraise. Cela donnerait, avec « avait », il mange un gâteau avec la fraise. On ne peut pas dire « mange un gâteau avec la fraise ». On écrira donc « A » avec accent. Pour résumer maintenant, si je peux remplacer « A » par « avait », alors je vais l'écrire « A sans accent ». Et si je ne peux pas dire « avait », alors je vais mettre un accent. Voilà.